Bouillonnac, welcome. Nous sommes à Hasselt pour cette 7e Belge Odyssée avec une nouvelle équipe de Keufi reporters. Tout d'abord, Linde, hoe gaat het met u? Heel goed, op de kerstmarkt hier in Hasselt kan het niet mislopen. Hè? Wie ben je, Linde? Ik ben Linde, ja. Ik studeer aan de VUB, master journalistiek. Ik heb logopedie gedaan daarvoor en ik werk bij Radio Scorpio al als eindredactrice. Et cette jeune fille parle français, néerlandais, espagnol, parce qu'elle a étudié aussi en République dominicaine. Inderdaad, het jaar na mijn middelbaar ben ik daar een jaar gaan studeren. Ik raad het iedereen aan, een fantastische ervaring. Parfait, Feliz Navidad. Nous avons également Pauline Daquin, un Erasmus, mais pas au bout du monde. Ah non, moi j'étais au bout de la Belgique, et encore pas vraiment au bout, mais je suis allée de l'autre côté de la frontière linguistique à Gand. Par contre, dans cette Belge Odyssée, on va rencontrer quelqu'un qui vient du bout du monde. Oui, tout à fait, nous allons rencontrer le prix Nobel des enfants, Maggie Barrat-Kitze. Et après, we gaan Hasselt bezoeken. Ja, inderdaad, hè, want er zijn hier verschillende initiatieven en ik stel voor dat jullie luisteren, hè, om alles te horen en te ontdekken samen met ons. Oké, okay, vooruit, on y va. Hey brother, do you still believe in one another? Hey sister, do you still believe in love? I wonder. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Voilà, on a couru, on a fait plein de choses dans cette émission, on a vu des gens passionnants, c'est déjà la fin. Hartelijk bedankt, Linde. C'était super, super chouette, super tof. En zeker samen met Pauline et jou. Bonne continuation. Merci. Vous n'oubliez pas le 18 décembre, on va où le 18 décembre? Oh, le palais. Ah, ouais. On va devoir aller faire du shopping d'ailleurs, on est bien tombé, on est à Hasselt, donc ouais. C'est bon. Et puis le diplôme et la grande fête avec tous les tintin reporters. Oui. T'as bien d'accord? Au revoir. Bye.